Lundi 24 juillet 2023, Laetitia Bertignac a célébré ses 2 ans de mariage avec Louis Bertignac. Pour l'occasion, elle a dévoilé un tendre cliché de la cérémonie sur lequel on peut voir sa sublime robe. Entre eux, CIST électrique. Lundi 24 juillet 2023, Laetitia Bertignac, pourtant d'ordinaire discrète sur sa vie privée, s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler un cliché de son mariage avec Louis Bertignac. Et ce, pour une très bonne raison. En effet, le chanteur et son épouse célébraient ce jour leur 2e anniversaire de mariage. 2 ans de mariage. 14 ans d'amour. J'ai mis tout de toi, a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut voir le rocker comme toujours en train de faire une petite bêtise. En effet, Louis Bertignac, qui ne garde jamais trop longtemps son sérieux, n'a pas hésité à faire des grimaces le jour de son mariage comme l'atteste cette rare photo de la cérémonie. De son côté, Laetitia Bertignac regarde son cher et tendre tandis qu'elle est vêtue d'une sublime robe de mariée. Un cliché dans lequel l'amour transparaît. Et pourtant, avant de se dire oui, les tourtereaux avaient vécu une grosse crise comme le confiait le guitariste dans les colonnes du magazine Gala en mai 2023. Le couple, parent d'un petit Jack né le 19 novembre 2016, aurait connu quelques moments difficiles notamment durant la pandémie, juste avant leur mariage qui avait eu lieu le 24 juillet 2021. On a fait maison à part Louis Bertignac confiait alors, on s'est pris la tête comme pas mal de couples. On a fait maison à part pendant 2-3 mois. Je voulais remettre Jack à l'école mais Louis flippait qu'il ramène le virus à la maison. On s'est engueulé, disait-il. Tout est bien qui finit bien puisque le mariage des Bertignac s'est déroulé sans heurts et que leur couple est toujours plus solide. En tout cas, comme le confia Louis Bertignac dans les colonnes de Closer, pour lui, ce mariage sera le dernier. J'aimerais pouvoir l'aimer jusqu'au bout de ma vie. Qu'elle soit encore là à cet instant. J'ai vu ma mère mourir, Laetitia lui tenant la main. Et elle avait l'air heureuse. J'aimerais bien partir dans ces conditions, disait-il, très amoureux. Après la pluie, vient toujours le beau temps. Yeah.